Et déjà, au milieu de rien. Ça fait pas longtemps. Oh mon dieu, il y a la terreur. Peur, ils m'ont fait peur. Allez, ça commence agression là déjà d'emblée. On a deux rogues terra donc faut surtout pas. Ah ouais? Ouais. On a, ouais, on a le brochet et le brochelet. Moi je teste la carreau monsieur. Merci. Dans le sens de la course. Ah que c'est bien le moyage. Par contre ouais, peut-être sur le côté ils accrochent ces pneus. Dommage qu'ils soient hors de prix ces déboots parce qu'ils sont cool. Ouais. C'est un peu le problème. Mais c'est aussi que je te triangle. Merde, merde. Oh putain. La vitesse le filet. C'est vrai qu'au niveau balisage... Je sais pas, il paraît qu'il y a un Traxxas qui devait rouler avec moi, mais je sais pas, il est peut-être pas parti encore. Ouais, parce que tu l'as traité de voiture lourde et il a pas, il a vexé. Tu l'as vexé. Il y avait trop de fumée. Merde, ah non, je crois que je m'étais débranché la batterie, c'est bon. Merci. Oh non, dans ce sens-là, le terrain il est dur pour le short. Le rouge, hein? Non, il y a un peu. Pas. J'ai très peur quand je t'entends faire là. La... je t'entends écraser là. Il y a un pays qui est dans son allée, ça. C'est quoi? Le MTX, il a un combien de... Ah, je sais pas. Il y a pas de MTX, c'est quoi le MTX? Là, là? C'est des Rogue Terra. Rogue Terra. La Rogue Terra. Ouais, ça, c'est un nom de savon un peu, mais c'est... Le machin jaune, il a combien de... Au-delà, il brûle. Ah non, parce que... Ah, ils sont où les Traxxas? Ils sont... Bah, ils sont devant, t'attends. Ah ouais. Oh putain, ça va finir dans le filet. Oh merde. Il a fait les vidéos. Ah, j'étais un petit peu optimiste, je c'est me bon, vois plus. C'est bon, il y a personne. C'est bon, je suis là. C'est bon, il y a personne. Ça va, ouais. Allez. Bon, j'ai le passager. Attends, on va. Attends, il y a un règlement de compte là. Hop là. Ah. Alors, bah ça y est, il fuit. Voilà, là, je te laisse tes chances là. Je suis avec les pieds du volant, le plus gros risque c'est de se prendre dans la tronche. Arrêtez. Le Traxxas est un peu devant quand même. Il y a un Traxxas ça? Non. Oh. Il y a un mec qui s'est passé pour un Traxxas. Il y a un usurpateur. Oh les barbares! Non, c'est tout. Ah c'est bon, il vaut mieux que ce soit le. Oh non! Ah par contre putain! Comme ça tape, on part à l'UDR. Voilà, essaye là. Il est là, Louis. Ah là, j'ai aucune chance. Ah, À part me foutre au tas. Bon, ouais, je sais pas où ils sont. Hein. Bah, j'essaye de dépanner le. Attends, on est en dépannage. Merde, il y a trop de fumée. Ah, c'est ça aussi. Ah, on m'a poussé. Je me disais.
Et de deux. Il y a bouchon là-dedans. Ah, ouais. Bon dos la poussière. Hein. Bah, allez. Ah, c'est bon. Je suis pas dans. Elle voit plus. Elle voit plus. Hey. Elle voit plus. Hey. Eric, t'arrives pas à te mettre sur le truc. Il y a un mec. Je crois que j'étais bloqué par un truc bleu, non? Ah, c'est. Faudrait un truc comme les bateaux, retournement automatique là. Une petite mascotte là. Ah c'est ça, j'ai pas bien vu. Ouais. Merci. Ah j'ai cru. Ouais j'ai vraiment cru que j'allais retomber sur le contre-appel. Il est en mode avion. Ouais. Merde. Et des morts. Ah ben moi je crois que déjà le copilote là du moyen. Oula. Qu'est-ce que tu fais? T'es un peu pas triché. J'avais sauté, mais le gars, ça m'a fait peur. Oh merde! Faut pas mettre là! Putain, je l'ai pas vu le petit. Putain, excuse-moi! Moi, je l'avais vu. Bah, en fait, c'est au moment où t'as dit le gosse. Le gosse au moment où tu as dit le gosse, il m'a fait peur, j'ai fait quel gosse? J'ai paniqué. Ah merde. C'est pour ça que j'ai mis plein de stickers de ta chaîne parce que comme ça si on dit que j'ai un mauvais pilotage je dirais que c'est toi. Ah merde c'est toi là par terre. On va fermer les yeux et après je les rouvre quand je vois. Ça lève à droite, ça va encore à peu près. Si je prends le XTT, c'est pas possible. Hein. Franchement, c'est pas mal. Hein. Merde, je suis bon. Oh là, j'ai failli mourir. Hey, les voitures sont partout sauf. Ouais, ça c'est pas du jeu ça. Merde, je regardais pas. C'est chaud là, vu la poussière. Hein, je crois que j'ai oublié de remettre un peu de carreau. Encore la tienne, elle est un peu. Elle est où la piste? Ils arrêtent de faire des travers, les gros. Préparez un coup, il n'y a pas de ventilateur. C'est tout pour le remettre au cœur de tout ça. Je vais sortir le mardeur, ça va vite. Ah ben voilà, mais moi j'attends que ça. On va faire de la poussière. C'est moins cher de la poussière. Où toi? Ah oui. Ah putain, t'es là. C'est pas vu. J'aime bien en fait. Il y a les fourfuriers ici, hein. Je savais que ça passait. Chou, hop là. Bah, tu vois, bon, voilà, tu effectivement, ouais. Tu useras pas beaucoup tes pneus. Ouais, t'es sur le toit, toi. Ah, la poussière là, c'est bien mal. Je suis où? Ah, ça y est. Merde,
Tu l'as essayé? Tu l'as essayé le camion? Non, mais ça a l'air pas mal. Il est terrible. L'essayer, c'est l'adopter. Ah, en plus, moi j'ai appris qu'il, je crois qu'il était. Regarde, il est deux boîtes en fait, en huile, en tout. Il a juste les pneus et le combo. Et putain, franchement, il se conduit tellement bien. Il est plus agréable que le stage ici. Ah ouais, c'est plus léger. Ouais, ouais. Enfin, en vrai, il fait le même poids, c'est sûr. Mais t'as l'impression qu'il fait 2 kilos de moins. Tout va bien. Oh merde. J'y vois plus rien. Qui t'es là? Ah, il y a quelqu'un là? Ouais. Il y a un petit buggy. Merci! Ah, c'est bien, on voit un peu de tout en fait. Ouais, ouais, c'est chouette, hein? C'est ça. Et toi, nous on voit la lunette aussi. Ouais, mais le plaisir, ouais, il est complètement différent. Il y a, ah, le circuit non, est tellement différent. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais. Mais alors, vidéo. Ouais, j'adore Lunel, mais ici c'est vraiment rien à voir. Il y a un peu de relief, tu vois ça. Ouais, ouais, ça. Lunel est plat en fait, il est plus rapide. Ouais. Et là, ouais, t'as. Et vous tournez sur la grande piste, pas la petite? Ouais, la petite, j'ai essayé en. Je me suis fait chier. Ouais. De toute façon, c'est pas cool, pour moi. Et vous avez pris la bonne balle? Ouais, pas avoir la prise. 80 balles, je crois. Je crois que c'est 80 balles. C'est ça, hein, ici? Lunel, c'est 80€ l'abonnement. Mais franchement, ça va. Puis les mecs sont des contrats, tu vois, ils sont. Vraiment, ils sont pas prises de tête. Il y en a qui te disent qu'ils sont pas prises de tête, mais en vrai, bon, il faut pas ci, il faut pas ça. La piste 1-8, il y a effectivement. Faut des picots parce que bah, sinon tu la défonces, quoi. Voilà. Par contre, là, un cinquième, allez-y, faites ce que vous voulez. Ils ont même rajouté des grillages parce que l'autre, il s'éjecte à chaque fois. Ils ont rajouté des grillages. Bah, il y a une rampe. Donc, il prend la rampe et il sort du circuit. Maintenant, il y a un grillage. Ici là? Ah ouais, là-bas, Lunel. Sur la 1-8, ouais, mais sur la 1-5, ça va. Ça glisse à peu près comme ici, je pense. Et celui-là, j'accroche un peu parce que j'ai ceux d'origine. Ouais. Mais si je mets les. ceux que j'ai d'habitude là, c'est quoi? Les FS Racing? Ouais. Les autres qu'on met sur les Moyaves, ceux qui valent 50 balles sur Ali, oui, ouais. Bah eux ils glissent vachement plus, donc t'es pénard tout le temps, même sur le bitume en fait. C'est ceux-là, ils sont bien, mais ils s'usent très très vite et ils coûtent très très cher. Ouais. C'est une belle journée. Donc là je les ai mis aujourd'hui pour les essayer, parce que c'est la première fois que je les ai en journée des 9. C'est mon troisième Moyave, mais les deux autres étaient d'occasion et ils étaient déjà poncés en fait, les pneus d'origine. Celui-là, tu l'as eu 9. Celui-là, j'ai eu 9, ouais. C'était mon petit kit que je me suis fait. Comme ça, moi, je vois de boîte comment il est. Wow. C'est terrible. Je savais pas qu'il était coincé. Ah, tu vois la différence avec l'UDR, hein. C'est quand tu passes les bosses, le Moyave il fait brah, brah. Ouais. L'UDR il faisait plou, plou. Ouais. Si il est femme, il dit le Moyave est pas trop. En fait. Ouais. À part l'UDR. Bah, là, il faut, là déjà les huiles, c'est clair que tu veux les changer. Là j'ai pris de la mie là, Hervé. Là. Ah bah c'est ça, monsieur, j'ai de la mie aussi. Je crois que d'origine c'est 500 à tout péter. Là, à la mer. Ah mais il y a été. C'est qu'il y a des virages entre deux lignes droites.
C'est ça le problème. Toi, tu cherches les rampes. Elles sont où les rampes? C'est nul, il n'y a pas de rampe. Bam, allez, prends ça. Moi, c'est le pare-choc que je tape. T'as vu comment il gonfle là? Ah merde! Fais gaffe, si tu recules et que ça marche pas, tu fais gaffe à pas t'enrouler dans le grillage. Ah, tu t'enfonces là. Au revoir, petit canon. Bon ben. J'étais heureux de te connaître. Il y a quand même il y a un pont après. Merde, je te regarde. Tom! Qu'est-ce que je fais? Je regarde pas, je vais n'importe où. Merci. Ah, je fais des donuts. Mais non. Je pars même. Merci. Ça cule plutôt le truc. Il est où mon moyen? Ah, je suis sorti. Je suis sorti. Ah, il est top ce moyen. Un bon copain, toi, ouais. C'est vrai que le mec qui arrive à mettre le comportement de l'UDR sur le moyen, tu vois, que ça, c'est ta suspension, bon, il est bien quoi. Merde, merde. Il devrait faire le même système de l'UDR. Après, ouais. Après, tu vois, la Moyave, tu vois, il est super facile d'entretien, du coup, par contre. Hein. Ouais. Ça, en fait, c'est un. Moi, ouais, ça. Je sais pas si c'est un châssis de talion, mais c'est un châssis de Truguier allongé avec des bras courts, tu vois. Ouais. Donc, Arma, à entretenir, c'est un régal. À l'UDR, ça serait bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis. Ouais, voilà. Et encore lui, tu vois, je râle parce qu'il y a plus de pièces que sur le Creton par exemple pour à démonter pour accéder à certains trucs. Mais Creton dans le cast, c'est comme le buggy, t'as accès direct quoi. Oh, tu pousses, oui. Il veut m'envoyer dans le trou, là. Un défi, il va pas tarder à côté. Ah ouais? Mais à l'endroit, il a fait un peu bizarre. Merde, merde, il y a un truc au milieu. Ah, toi aussi, hein? Ouais. Ah, j'aurais le X-Max. Bon. Merde. Ah mais en plus j'ai... Et ça ballonne pas ça en plus. J'ai pas un clip qui s'est barré, non? Ah non, c'est un sticker peut-être. Ah, c'est un sticker. C'est le Bachar Brother. C'est Vince. C'est pas la qualité Pop Toy de sticker ça. On voit les vrais. Oh là là, bah vous devez l'acheter maintenant. Vous l'avez cassé, vous l'avez payé. Oh, un Rock Terra. Oh, oh ben mince alors. Vous êtes obligé de payer maintenant. Oh mince alors. Allez, sortez le carnet de chez. Ah ben en plus, c'est pas la pièce qui pète tout le temps. Voilà.
C'est la vis qui est partie, non? Comment? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Yana, c'est ouais. Oh, putain. Ah, je suis sur le dos. Ah. Ah, merde, en plus. Tu viens d'aller le chercher? Je crois que bah, moi je me suis remis. C'est pas le carbone qui est parti? Non, c'est la vis qui est partie. Ah, voilà. On va le chercher. Merci. Bon courage. On fait rien ici. Pour toi, il avait essayé un truc super. Mais malheureusement, l'idée était très bonne, mais ça n'avait pas bien, ça avait pas marché. Et qu'il avait son STX là, donc le même que les petits machins plastiques qu'il y a là. Et il avait collé un gros aimant au cul. Ouais, et pour quand il voulait, à Casserie justement, quand il roule, il voulait récupérer toutes les vis comme ça. Mais problème, c'est que le STX il a cassé avant de pouvoir. Toutes les merdes de vis. Ah, il a même. Ah, il l'a. Oh, ah, joli. Il l'a récupéré, la vis. Ah ouais, pas mal. Ouais, mais j'ai fait pareil, j'ai fait deux ou trois fois, j'ai coupé la noix de gros que j'ai fait, et que j'ai fait la... Ouais. Hop là, un peu trop d'arrivée. Ah oui. À moins d'entremiseur, c'est un peu. Bah, ça va tout. C'est ça quand t'as pris go au brushless, le retour en arrière il est assez difficile. Ouais, moi j'adorais au départ quand je l'ai acheté la mienne, mais maintenant pour rien au monde j'ai juste une garde. Ouais, le brushless en plus c'est plus puissant, c'est moins. Ah, ça a un couple. Ouais. Ça m'a fait un peu pareil quand j'avais mes caisses, j'avais mes petites GTI là. Atmo, je me disais, oh, les turbos c'est de la merde et tout. Ah, oui. Puis quand j'ai eu une caisse avec un turbo, j'ai fait, non, en fait c'est pas si mal. Donc on l'a pas essayé. Hein. Le thermique, c'est quoi. Waouh. Oui, en plus, ouais, ça, t'as même pas d'injection de machin comme ça, c'est vraiment old school. Quoi. Il a triché. Merde, j'ai bugué. En fait, j'ai cru voir une. Si ça, j'avais une mouche sous la casquette et je la voyais en fait. Et ça m'a perturbé. Oula. J'ai pas touché le réglage le samedi dernier. Mais là ça m'a fait. Ouais, c'est bizarre hein. Oula. Et merde. Au-dessus là, c'est bien ça. Ah bah non, là sur le toit par contre, on va pas rêver. Merci. Il faut pas tomber parce que c'est... Ah, si tu veux faire un Superman, La réception sera pas la même. Ouais. Avec le moyen, t'as quand même un taux de réussite assez... ça va. Tu arrives à. T'as le réflexe de braquer au bon moment. Et du bon côté.
Mal géré, la vie. On recommence. Ah bah, ah bah j'étais en putain j'étais en coupure vraiment depuis un moment en fait.